fire. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Briefery, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks. Donc, voilà, j'ai comme le nom l'indique de la vidéo, aujourd'hui, vidéo sur le T-34-85M. Donc, beaucoup le connaissent, mais beaucoup le connaissent pas non plus, du moins sur l'histoire. Donc, on va le rappeler rapidement. Donc, c'est une modification du T-34-85 qui a été produite à l'usine No-143, contrairement au véhicule original. Il comportait un blindage frontal amélioré et un blindage arrière réduit. Les réservoirs à carburant ont été transférés du compartiment de combat à l'arrière. Lorsque la suspension s'est révélée être défaillante, la production a été suspendue après la fabrication d'un seul prototype. Donc, si vous voulez savoir les caractéristiques du véhicule, vous mettez sur pause. Là, vous avez la configuration et enfin l'équipage. Donc, j'ai joué ce char pas beaucoup de fois, donc voici où en est l'équipage à peu près. Pourtant, j'ai quand même fait une très bonne bataille. Alors, comme d'habitude, je dis pas que je suis le meilleur joueur de World of Tanks, mais je montre juste ce qu'on peut faire avec le T-34. Bah, si je pourrais dire, oh là, il est bien le char, je pense que je vais le prendre. Voilà, c'est juste cette idée pour dire, oh là là, je vais pas tout mal non plus. J'ai tiré sur le jeu. Bref, je vous laisse avec les vidéos. Je vous souhaite un très bon usinage. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et surtout, de vous abonner en activant la cloche. Allez, salut! Доблестный флот, непобедимый, как наш народ. Ведь от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Да будет красная, непобедима, на страже Родины родной. И все должны мы неудержимо идти на справедливость. Страже Родины!